Bonjour la communauté de Battlefront et bienvenue sur Battlefront FR. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de Star Wars Battlefront 2 avec une excellente nouvelle pour vous. DICE nous a écoutés. C'est confirmé, on vient d'avoir un article sur le site officiel de Star Wars Battlefront et dans cet article, ils nous ont confirmé que le prix des héros a été diminué de 75%. Les gens ont dit leurs avis, il y en a qui se sont plaints, il y en a qui ont insulté, mais au moins, je suis très content de savoir que DICE nous a écoutés et qu'ils peuvent leur mettre dans la gueule. Tiens, regardez, on vous écoute, voilà, les héros coûtent 75% moins cher. Donc, Luke et Vador coûtent 15 000 crédits dorénavant, Palpatine, Chewbacca et Leia coûtent 10 000 crédits et Hayden Versio coûte 5 000 crédits. Oui, si vous faites un calcul, c'est environ... pour la totalité de ces héros, environ le prix de ce que Vador coûtait avant. C'est quand même quelque chose. Bref, voilà, DICE nous a écoutés. Ils ont dit, on a écouté la communauté au travers des différentes étapes de processus de ce jeu et on va continuer à le faire. Notre but est de vous donner le jeu parfait selon vous. Nous voulons être sûrs que le jeu est balancé et très fun à jouer pour tout le monde dans les jours qui suivent et même dans les années à venir. Nous avons fait des changements au nombre de crédits que vous devez pour débloquer les héros et nous allons continuer à faire des changements pour améliorer l'expérience du jeu à travers le temps. Personnellement, je suis extrêmement heureux, extrêmement content de voir qu'ils sont aussi efficaces. C'est déjà en jeu directement quand la publication a été mise. J'ai été voir en jeu et c'était déjà présent. Donc voilà, les héros coûtent moins cher. Et basé sur ce qu'ils ont vu, ce montant de crédit fera en sorte que gagner et en fait débloquer ces héros sera un vrai sentiment d'accomplissement tout en étant disponible pour tous les joueurs, accessible pour vraiment tous les joueurs. Car en effet, c'est pas beaucoup, 10 000 crédits, ça prend quoi, 1-2 heures à débloquer. Vous faites la campagne, je pense que vous avez 40 000 crédits à la fin quoi. Bref, vous avez plein de façons de les avoir très facilement et ça fait vraiment plaisir de voir qu'ils ont écouté la communauté. On va continuer bien sûr à donner nos avis en restant dans le respect bien sûr le plus possible et tout ce qui n'est pas bien, croyez-moi, ça va être fixé dans le futur. Donc voilà, toute petite vidéo pour vous confirmer que le prix des héros a changé. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je pense que l'avis sera généralement positif. Donc à bientôt sur le jeu, amusez-vous très bien avec Star Wars Battlefront 2. Ça me fait extrêmement plaisir de voir que la communauté va enfin pouvoir tous y jouer ensemble. Rejoignez mon nouveau serveur Discord, il est dans la description si vous voulez jouer avec la communauté, etc. etc. Jouer avec moi et parler de Battlefront 2, tout est là dedans. Donc à bientôt tout le monde, laissez un like, un commentaire, abonnez-vous et comme toujours, que la force soit avec vous. Ciao tout le monde.